À la une, nouveau séminaire gouvernemental hier lundi. Les processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et puis les marchés publics ont été revus afin de permettre aux membres du gouvernement de mieux les cerner pour une meilleure exécution sur le terrain. Les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont rencontré le ministre des Affaires étrangères, Charles Diby Kofi. Il a entre autres été question de l'amélioration de leurs conditions de travail en Côte d'Ivoire. Pour le second tour de la présidentielle, le décompte des voix se poursuit en Guinée-Bissau. Les premières tendances sont annoncées pour aujourd'hui mardi. Ce scrutin suscite tous les espoirs pour un pays régulièrement secoué par des coups d'État. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI1. Bonjour et bienvenue à vous. Un colloque international sur les administrations fiscales se tient depuis hier à Abidjan. Quels en sont les enjeux? Quels intérêts pour la Côte d'Ivoire? Dans quelques minutes, la réponse à ces questions avec le directeur général des impôts, Pascal Kouakou Abina. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, le président du Togo, Fornia Singbe, est arrivé ce matin à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Fornia Singbe entame une visite d'amitié et de travail dans le pays. Il va rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux présidents vont notamment parler du développement de leurs pays respectifs, des relations et de la coopération bilatérale ivoiro-togolaise. Un séminaire gouvernemental s'est tenu hier après-midi. Points principaux abordés, les processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et aussi les marchés publics. Maïsako. Dirigée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la rencontre gouvernementale sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire et les marchés publics intervient juste après le séminaire consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril dernier. Elle a permis dans un premier temps de faire une analyse du budget de l'exercice 2013 en vue de dégager les contraintes et les solutions pour l'année 2014. Le niveau du budget 2013, après les collectifs budgétaires, s'est élevé en ressources et en dépenses à 3 883,4 milliards de francs CFA contre 3 240,2 milliards de francs CFA en 2012, soit un accroissement de 20%. À cet égard, je voulais relever que l'exécution du budget de l'État pour l'année 2013 s'est déroulée dans un environnement macroéconomique stable, caractérisé par un taux de croissance du produit intérieur brut de 9,1% après le niveau de 9,8% réalisé en 2012. Ces travaux ont été l'occasion pour les membres du gouvernement d'avoir une meilleure appréhension des processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État, de comprendre comment exécuter au mieux les crédits budgétaires et comment améliorer le taux d'absorption de ces crédits, notamment en ce qui concerne l'investissement, un processus qui passe par une maîtrise des procédures de passation des marchés publics. Toutes ces conclusions devraient permettre au gouvernement ivoirien d'avoir une meilleure visibilité de ses actions à travers la réalisation d'investissements et d'infrastructures. Parmi les recommandations faites figure la sensibilisation de tous les ministres aux contraintes budgétaires. Ce séminaire gouvernemental a été donc sanctionné par une déclaration finale. Elle a été lue par le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné. Nous vous en proposons un extrait. Les travaux ont été articulés autour de la communication du ministre en charge du budget, suivi d'échanges en vue d'une meilleure appropriation du système budgétaire et de la procédure de passation des marchés. L'exécution du budget obéit à deux types de procédures. Les procédures ordinaires, comprenant la procédure normale, l'engagement, l'ordonnancement, le paiement dans un délai de 90 jours, et la procédure simplifiée, qui s'effectue en deux phases, l'engagement ordonnancement d'une part et le paiement d'autre part. Les procédures exceptionnelles comprenant les régies d'avance et les avances de trésorerie. S'agissant du cas spécifique des marchés publics, les trois modes de passation de marché, à savoir l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint et le marché de gré à gré, ont été présentés, de même que les incidents dans l'exécution des marchés qui peuvent se matérialiser par des avenants et ou par la résiliation des marchés. Il a ainsi été relevé une baisse très sensible des marchés de gré à gré, dont le pourcentage est passé de 43% en 2013 à moins de 10% au premier trimestre 2014.
Enfin, dans la perspective de l'amélioration de la gestion des finances publiques, un certain nombre de mesures à court et moyen terme ont été définies, notamment la réduction des délais dans l'exécution de la dépense. De même, dans le cadre de l'internalisation des textes communautaires de l'UMOA, des réformes au niveau des finances publiques sont en cours, avec l'ambition d'aller progressivement vers une gestion axée sur les résultats. Et demain, 21 mai, marque les 3 ans du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. La rédaction de RTI1 vous proposera une émission bilan demain donc après le journal télévisé de 20h. L'évaluation de la coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Bénin, l'un des temps forts de la 3e session de la Grande Commission mixte de la coopération ivoiro-béninoise. Elle s'est tenue à Cotonou. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de solidifier les relations d'amitié et de coopération qu'ils partagent. Sidonie Davila. La Grande Commission mixte de coopération ivoiro-béninoise renaît de ses cendres. Au cours de cette 3e session, il a été question pour les deux pays de présenter le bilan de leur coopération afin d'explorer de nouvelles pistes. Cette session a reflété fidèlement les excellentes relations de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux pays. Elle nous a permis de convenir des voies et moyens susceptibles d'intensifier la coopération et d'instaurer entre la Côte d'Ivoire et le Bénin un partenariat que nous voulons exemplaire à tout point de vue. Au terme de cette rencontre, 10 accords de partenariat signés dans divers domaines d'activité. Ces accords viennent ainsi intensifier la coopération entre les deux pays et consolider davantage les liens d'amitié. Les experts de nos deux pays examine les voies et moyens pour donner un nouvel élan à notre coopération bilatérale dont les bases résident avant tout dans la fraternité légendaire entre nos deux peuples, l'amitié et l'estime réciproque entre nos deux chefs d'État et une communauté de destin façonnée par l'histoire de nos deux nations. La 3e session de la Grande Commission mixte de la coopération Côte d'Ivoire-Bénin aura permis de relancer la coopération entre ces deux pays à travers les rencontres de cette commission interrompue depuis 15 ans. Les deux ministres, fiers d'avoir bâti les bases d'une relation solide, se préparent déjà à amorcer l'étape de la 4e commission prévue dans 2 ans à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le reportage de Sidonie Davila a été commenté par Gabriel Zani. Améliorer les conditions de travail des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et le corps diplomatique accrédité dans le pays. C'est un reportage de Ben Touré, Hamza Diaby. Leur dernière rencontre remonte à septembre 2013. Ce lundi, pour la 6e fois, Charles Diby Kofi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu le décanat du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Il a été question au cours de cette réunion de l'amélioration des conditions de travail des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et des difficultés exprimées lors de la dernière rencontre. Ce sont des petits problèmes de tous les jours que les ambassadeurs trouvent, par exemple, sur l'aéroport, sur le salon d'honneur de l'aéroport. Nous pouvons aider pour faire mieux notre travail ici, notre mission. Des petits problèmes qui semblent trouver un début de solution. Désormais, les ressortissants de vos pays respectifs pourront effectuer le voyage en Côte d'Ivoire uniquement avec le document obtenu après leur pré-enrôlement en ligne à leur point de départ. Mes services, suite à votre requête, ont, sur mes instructions, sollicité auprès des autorités compétentes de l'ANAC et de l'AERIA la mise à votre disposition d'un parking spécial pour le corps diplomatique. Le décanat est composé du doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique, et les doyens des groupes régionaux. Ils ont exprimé le souhait de voir enfin la réconciliation nationale s'accélérer pour le bonheur du peuple ivoirien.
L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, créé en avril 2013, a pour mission de garantir de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Elle forme notamment les présidents et les membres de conseils d'administration en charge des états financiers et du bon déroulement des entreprises. Franck Kouadio. Les bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises, ce n'est pas toujours un acquis pour nombre de dirigeants d'entreprises sous nos cieux. Administrateurs disposant de peu d'informations sur l'entreprise, conflits d'intérêts, souvent par manque de formation ou d'informations, quelques préoccupations et plusieurs autres qui ont suscité le 9 avril 2013 la création de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Pour combler ce déficit-là, à travers des formations, de l'information, de la certification des administrateurs. Le mandat d'administrateur tend à devenir au fil des années une activité professionnelle. La maîtrise des textes et règlements ainsi que les états financiers des entreprises s'avère primordiale. Le conseil d'administration doit veiller aux intérêts de toutes les parties prenantes. On appelle parties prenantes par exemple les créanciers, les salariés de l'entreprise, c'est très important, la ressource humaine. L'INALCI veut donc mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Cela nécessite réflexion. La démarche sera entreprise ce mardi 20 mai. L'Institut lancera officiellement ses activités. Le thème choisi, les conseils d'administration face aux défis de la bonne gouvernance et du développement économique. Les ouvriers du troisième pont en construction dans le district d'Abidjan ont repris le travail hier lundi. Ils avaient entamé une grève depuis quelques jours pour réclamer des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. Cette reprise du travail fait suite à une rencontre avec les ministres Ahmed Bakayoko et Moussa Dosso. Le reportage de Francis Wafo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et son collègue Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle sur le chantier du troisième pont Henri Konan Bédier. Ils y sont pour s'informer sur les raisons de l'arrêt de travail que les ouvriers observent depuis quelques jours. Ces ouvriers réclameraient des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. On a parlé à votre direction, on va trouver une solution médiane qui va vous satisfaire. Et la réaction des ouvriers est immédiate. Nous faisons confiance au gouvernement. Nos doléances ont été prises en compte dans la mesure où le ministre lui-même a pris l'engagement de prendre en main notre situation. Quelques heures après ces échanges, les ouvriers du troisième pont Henri Konan Bédier dans la commune de Cocody ont repris le travail ce lundi. Le secteur de l'orpaillage en Côte d'Ivoire est en plein toilettage. Il est question de le rationaliser. Le ministre de tutelle est à la phase d'information et de sensibilisation des populations et des acteurs du secteur. Après le nord du pays, il a mis le cap sur les régions du Lodibois, de la Maraoué et du Bélier. Grâce Kando. L'orpaillage et l'exploitation artisanale de l'or. L'activité d'orpaillage s'exerce aujourd'hui dans l'illégalité. Elle est réalisée en dehors des règles de l'art, avec notamment des déboisements sauvages, la destruction du couvert végétal et des sols. Au regard de ce tableau sombre et des risques que cette situation fait peser sur la population vivant dans ces zones, le gouvernement a décidé de réagir en adoptant un plan de rationalisation de l'orpaillage. D'où cette tournée du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, dans les régions du Lodibois, de la Maraoué et du Bélier. Ce plan a pour objectif principal d'assainir, d'organiser et d'encadrer l'activité d'orpaillage pour qu'elle puisse passer d'une activité d'exploitation minière artisanale clandestine et illégale à une activité minière légale, autorisée, respectueuse des règles du métier, particulièrement de l'environnement physique et social. Des comités techniques locaux sont installés pour assainir le secteur de l'orpaillage. Nous voulons nous engager avec les membres du comité de faire en sorte que l'orpaillage soit légal et que cette activité soit contrôlée au bénéfice non seulement des populations, des orpailleurs eux-mêmes et de l'économie de notre région. En tant que membre du comité, c'est de voir ce qu'il y a lieu de faire concernant les exploitations agricoles qui sont détruites au bénéfice de l'orpaillage. Il faudrait que les propriétaires terriens soient vraiment indemnisés dans ce sens-là.
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, annonce l'organisation d'une conférence régionale d'échange d'expérience avant la fin de l'année 2014 pour une approche régionale de la question de l'orpaillage. Le gouvernement ivoirien annonce la disponibilité de 900 hectares de terrain en zone industrielle et la baisse du taux de transfert de propriété qui passe à 6%. Des mesures pour booster le secteur des affaires en Côte d'Ivoire. Elles font partie des réformes entamées dans le cadre du Doing Business. Adama Koné. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les opérateurs économiques. Le taux de transfert de propriété est désormais fixé à 6%. Ce taux était de 10% jusqu'en 2012 et de 7% en 2013. Concrètement, lors d'une transaction, le propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble n'aura qu'à payer au titre de l'enregistrement de la propriété, au registre foncier, que 6% de la valeur du bien. Et cette année, donc, on a décidé effectivement de passer de 7% à 6%. C'est exact et ça a été donc acté et c'est appliqué. En outre, le gouvernement est en passe de donner le sourire aux investisseurs en quête de terrain industriel. Au PK24, nous avons obtenu un terrain de plus de 900 hectares et très bientôt, nous allons commencer par aménager 50 hectares qui permettront donc de donner des terrains pour 70 entreprises au moins. Et les autres vont être aménagés au fur et à mesure par tranche de 200 ou 300 de manière à ce qu'on ait une grande zone industrielle au port donc d'Abidjan. Autre information, de nature à faciliter les affaires en Côte d'Ivoire, le lancement l'année prochaine de l'installation de 5000 km de fibre optique en plus des 2000 km en cours d'implantation. Il y a 5 jours, le village de Fété, situé près de Grabo, localité frontalière avec le Libéria, a été attaqué par des hommes en armes venus de l'autre côté de la frontière. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendu sur place pour apporter le réconfort du président de la République aux déplacés de cette attaque. Viviane Aïma. Conséquence de l'attaque de la localité de Fété par des hommes en armes le 15 mai dernier, plus de 3000 personnes ont fui pour se réfugier à Grabo, situé à 9 km de leur localité. Ces déplacés regroupés pour l'heure au foyer de Grabo ont reçu ce 18 mai la visite de la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto, venue leur porter la compassion du président de la République et du gouvernement. Elle est venue avec de nombreux dons en vivres et non vivres pour la prise en charge de ses déplacés. Le président de la République a été très affecté, très touché par ce qui se passe à Grabo de façon récurrente depuis plusieurs mois. Et cette fois, il nous a demandé de venir donc pour apporter la compassion du gouvernement et donc et tout son soutien aux familles des personnes qui ont été tuées malheureusement au cours de ces attaques. Mais aussi et surtout d'apporter des vivres aux populations. Grabo aujourd'hui a reçu, d'après les estimations qui nous ont été présentées tout à l'heure, un peu plus de 3600 personnes déplacées de 6 villages environnants. C'est une population très importante, dont 1800 enfants et des femmes qui ont d'ailleurs accouché, dont 2 ont accouché sur les sites ici. Il était donc important que le président de la République apporte la compassion du gouvernement et son soutien personnel, qui se résume donc en des dons, en vivres et en non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Apportant leur appui au gouvernement, les agences du système des Nations Unies accompagnaient la ministre de la Solidarité dans cette démarche. Nous avons déjà déplacé 17 tonnes de vivres à Grabo, notamment du riz, de l'huile, mais également de la farine pour les enfants, notamment, et aussi des produits donc non vivriers. Face à cette nouvelle attaque qui survient alors que la paix semblait être revenue à Grabo et ses environs, sujet jusqu'à un passé récent à des conflits récurrents, la ministre de la Solidarité, qui est fille de cette région du Sud-Ouest, a eu une rencontre d'explication et de sensibilisation avec les chefs de communauté et avec les jeunes. Aujourd'hui, le plus important, c'est que la population elle-même et les chefs de communauté avec qui nous avons eu de fructueux échanges s'accordent à dire, Madame le ministre, il y a un problème. Et le problème, il est ici interne. Pour résoudre ce problème, les populations demandent que les jeunes et autres populations réfugiées dans le Libéria reviennent à la maison. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est un préalable. Dès lors que
tout ce monde se sera retrouvé sur place, les problèmes pourront être réglés au cas par cas. Problèmes de foncier, problèmes de terre, de plantation, tout y passera. Démarche salutaire qui pourrait ramener une paix durable à Grabo et ses localités environnantes. Les commerçants de Côte d'Ivoire ont depuis hier suspendu leur mot d'ordre de grève de 48 heures. Eh bien, il est maintenant annulé. Leurs revendications ont été satisfaites par le gouvernement après une rencontre avec le ministre du Budget à Missisoko, Patricia Omoetia. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, avait décidé d'observer dimanche dernier 48 heures de grève face à certaines difficultés, notamment les pressions fiscales à travers les multitudes formes d'impôts et la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non CEDEAO. Les impôts sont élevés. Il y a 35 000, il y a 30 000, il y en a qui vont jusqu'à la 50 000 par mois. Ce n'est pas pour frauder que nous partons à Lomé, mais c'est parce qu'à Lomé, l'État togolais, ils ont donné l'espace à Lomé, que les grands opérateurs industriels qui sont à Dubaï, ils sont venus avec beaucoup de conteneurs, qui ont un jaune sans douane qu'ils ont déposé. Et toi, petit commerçant qui a 30 millions, tu te lèves, tu vas à Lomé, c'est facile pour payer le marchandise. Suite à sa rencontre avec le ministre en charge du budget, Abdramane Cissé, la FENACI suspend son mot d'ordre de grève. Deux points de leur revendication sur cinq ont trouvé satisfaction. La fédération rencontre alors les commerçants pour leur rendre compte. Nous avons pour le moment obtenu deux satisfactions sur l'ensemble de nos préoccupations. L'ouverture des frontières dans un premier temps et le contrôle, la suspension provisoire du contrôle intempestif de la facture normalisée. Les autres points, nous allons les analyser avec un comité tripartite, ministère du budget, ministère du commerce et les commerçants. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter là. Elle organisera dans les jours à venir un séminaire pour traiter les points liés aux multitudes formes d'impôts. Je vous le disais tout à l'heure, Pascal Kouakou Abidan, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, nous a rejoint. Bonjour, monsieur Kouakou. Bonjour, madame. Eh bien, le 29e colloque international du Centre de rencontre des dirigeants des administrations fiscales CREDAF a ouvert ses portes, c'était hier. Oui. 125 participants, ils viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Alors, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire pour cette rencontre internationale? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget, vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler sur ce plateau du colloque qui, comme vous l'avez dit, était ouvert hier. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Mais vous savez qu'il y a un moment pas trop longtemps que la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays infréquentable. Et donc ce colloque est une des manifestations qui démontre que la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable. Alors, au niveau des administrations fiscales, au plan mondial, les administrations fiscales des langues françaises, le CREDAF, il y a cette réunion qui se tient chaque année, de manière tournante. Et la Côte d'Ivoire a été choisie depuis l'année dernière à Brazzaville comme le pays qui doit accueillir ce CREDAF. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous accueillons ce colloque d'un très haut niveau qui regroupe, comme vous l'avez dit, 125 participants venant de 30 pays. D'accord. Et le thème central est consacré à l'audit et contrôle interne dans l'administration. Est-ce qu'il y a des insuffisances qui ont été détectées en la matière? Non. Mais une administration doit être dynamique, qu'elle soit privée ou publique. Donc, le contrôle interne s'est défini comme étant une technique d'auto-évaluation et de suivi des activités. Parce qu'une administration qui ne bouge pas court à sa perte et chaque administration donc en interne met sur pied une structure de contrôle pour voir est-ce que les textes réglementaires qui sont édictés sont mis en place.
C'est ça le contrôle interne. Alors ce contrôle peut déboucher sur des sanctions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les agents chargés de cette administration n'auraient pas fait le travail comme il se doit. Par contre, l'audit, et c'est le deuxième partie donc du thème. Du thème, oui. L'audit interne, par contre, lui est assuré par une structure indépendante au service audité. C'est la structure qui va s'assurer de savoir est-ce que le travail qui a été préconisé et pour lequel les agents sont en place a été effectivement fait. L'audit, lui, par contre, débouche sur des recommandations, des conseils, mais il n'y a pas de sanctions à la suite d'un audit. Alors, je voudrais terminer pour dire sur ce point que ces deux notions ainsi définies constituent un dispositif permanent, pertinent plutôt, d'évaluation. Au final, on peut dire que le contrôle interne, aussi bien que l'audit interne, constitue un moyen moderne de management et cela a pour objectif final d'assurer une bonne gouvernance. C'est donc ça l'objectif aussi de ces travaux qui vont durer 8 jours? Non, pas 8 jours. Les travaux durent... C'est du 15, on va dire au 22 mai, c'est ça? Non, pas du tout, c'est du 19 au 22. Au 22 3 mai, jours. 3 jours, d'accord, 3 jours, autant 3 pour jours. Moi. Donc pendant 3 jours, donc, ces 125 participants vont plancher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'audit et puis le contrôle interne. Oui. Voilà, quels sont les résultats que vous attendez? Ben, le résultat que nous attendons, puisque les administrations fiscales des pays, j'allais dire chaque pays élabore sa fiscalité, donc nous nous retrouvons pour mutualiser nos expériences pour que ce qui se fait de bien ailleurs soit partagé par toutes les administrations. C'est en fait l'objectif poursuivi par ce genre de rencontres. Merci, Monsieur Pascal Kouakou-Abinan. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts. Vous avez aussi été désigné par vos pairs pour diriger la CREDAF. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Pour terminer, je voudrais, donc, comme vous le dites, remercier les administrations fiscales présentes à Abidjan, les responsables qui m'ont fait l'honneur de me désigner comme le président en exercice du CREDAF pour une année. Oui. Et c'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire. Et au nom de Monsieur le ministre chargé du budget, je voudrais sincèrement remercier tous les pays qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Pascal Kouakou-Abinan. C'est aujourd'hui 20 mai que la Journée mondiale de la météorologie est célébrée. La météorologie regroupe donc l'ensemble des techniques pour mesurer, interpréter et garantir l'exactitude de ces mesures. Un outil majeur pour la compétitivité des entreprises. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, assure son soutien à toutes les actions menées pour la promotion de la météorologie en Côte d'Ivoire. Les cadres de Samatiguila, dans le nord de la Côte d'Ivoire, s'unissent pour le développement de leur ville. Ils ont ouvert un fonds de plus d'1 250 000 francs pour les femmes. Elles vont donc pouvoir créer des activités génératrices de revenus. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire se porte mieux depuis la crise post-électorale. La reconstruction du pays est effective et elle est visible. Un résultat qui n'a été possible que grâce aux efforts du président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble de son gouvernement. Voilà le constat fait par l'ensemble des cadres de Samatiguila. Pour eux, le chef de l'État doit être soutenu dans son œuvre qui profite à tous les Ivoiriens. La réconciliation nationale et l'unité du pays doivent être l'objectif commun. Et pour tout cela, une prière s'impose. La prière pour le président de la République ne date pas d'aujourd'hui. L'imam a souhaité, et nous tous avec lui, qu'il puisse terminer dans la paix ce premier mandat et que le second mandat qu'il va solliciter, il puisse avoir ce second mandat dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de Samatiguila.
Les cadres de Samatiguila ne sont pas venus les mains vides. Ils ont profité de l'occasion pour faire des heureuses. Un prêt d'1 250 000 francs CFA a été fait aux femmes du département. Pour elles, c'est un rêve qui se réalise. Ce geste, c'est une première fois à Samatiguila, dans l'histoire de Samatiguila. Alors, nous les remercions infiniment. La consolidation de la paix, la réconciliation et le développement, voilà ce qui caractérise désormais les actions des cadres de Samatiguila. C'est donc main dans la main qu'ils souhaitent maintenant marcher pour le bonheur de leur département et bien sûr de toute la Côte d'Ivoire. Pour le second tour de la présidentielle, le décompte des voix se poursuit en Guinée-Bissau. Cette élection doit mettre fin à une transition de 2 ans dans un pays qui a connu de nombreux coups d'État. Les premières tendances sont annoncées pour aujourd'hui, mardi, et les résultats définitifs doivent être proclamés dans les 5 jours qui suivent le scrutin, selon la loi. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur RTI 1.